Actes des Apôtres. In the books of the Acts of the Apostles. Chapitre 26. Chapter 26. Verset 14 à 20. Reading from verse 14 to 20. 14 à 20. 14 to 20. Écoutons la lecture. Let us listen to the reading. Soyez concentrés. Be concentrated. Quelque chose va se passer dans chaque vie. Something is going to happen in each life. Quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Something stemming from God himself. Pour accomplir les desseins de Dieu dans chaque vie. To accomplish the purposes of God in each life. Tu ne peux plus rentrer comme tu es venu. You can no longer go back as you came. Tu es venu esclave, tu rentres libre. You came as a slave, you'll go back free. Tu es venu solitaire, seul, tu rentres avec un ami, Jésus. You came alone, you'll go back with a friend, Jesus. Tu es venu avec des maladies. You came with diseases. Tu rentres guéri. You'll go back healed. Dieu God ne t'a pas invité pour rien. Did not invite you for nothing. Sois attentif. Be attentive. Et engage ton cœur à coopérer. And be committed to cooperate. Dis à toi-même. Tell to yourself. Ne ratons pas cette occasion. Let us not miss this opportunity. Vous savez, you know, il y a un moment. There is a time où l'homme doit parler à lui-même. When God should speak to himself. Il doit parler à lui-même. When man should speak to himself. Si tu t'appelles Meunier Boniface comme moi. If your name is Yao Bile Josué as me. Tu peux te dire. You can tell yourself. Boniface. Bile. Ne t'amuse pas aujourd'hui. Do not joke today. Quand l'homme arrive là, when man gets to that level, c'est qu'il est sérieux. It means that he's serious. Il est sérieux. He is serious. Lis. Read. Gloire à Dieu. Actes chapitre 26, versets 14 à 20. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Acts of the Apostles, reading from verse, chapter 26, reading from verse 14 to verse 20. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for me to kick against the God. Then I asked, who are you, Lord? I am Jesus, whom you are persecuting, the Lord replied. Now, get up and stand on your feet. I have appointed you, I've appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen of me and what I will show you. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and to turn them from darkness to light, from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So then, King Agrippa, I was not disobedient to this vision from heaven.
First, to those in Damascus, then to Jerusalem and in all Judea, and to the Gentiles also, I preach that they should repent and turn to God, and prove their repentance by their deeds. Amen. Ce passage nous parle de l'histoire de Paul. This passage speaks to us about the story of Paul. L'apôtre Paul. Apostle Paul. Il explique comment il a donné sa vie à Jésus. He explains how he gave his life to Jesus. Il explique comment Dieu l'a appelé à lui. He explains how God calls him to him. Paul est un homme violent. Paul is a violent man. Il a persécuté les premiers chrétiens. He persecuted the first Christians. Il ne savait pas. He didn't know que les premiers chrétiens étaient des vrais enfants de Dieu. That the early Christians were the genuine children of God. Donc quand il apprenait que quelqu'un a suivi Jésus, so when he heard that somebody has followed Jesus, il allait le saisir. He went and lay hold of him. Avec l'autorisation des chefs religieux. With the authorization of the religious leaders. Si on tuait quelqu'un, il soutenait. If somebody was to be killed, he supported it. Un jour, one day, on lui a remis des lettres pour aller à Damas. He was given mails to go to Damascus. Pour aller persécuter les chrétiens d'une autre ville. To go and persecute the Christians of another city. Il était la terreur. He was terror. Et pendant qu'il partait, and on the way going, il dit, he says, une grande lumière l'a frappé. A great light struck him. Et il est tombé. And he fell down. Relis le verset 14. Read verse 14 again. Nous tombâmes tous par terre. Nous tombâmes tous par terre. We all fell down. Tous, lui et tous les amis. He and all the friends with him. Des gens avec qui il devait aller travailler. People with whom he was going to work. Jésus. Jesus les a frappés. Struck them. Ils sont tombés. They fell down. Et qu'est-ce qu'il a dit? And what did he say? Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et une voix. And a voice venant du ciel coming from heaven a crié, was heard, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Why are you persecuting me? Écoutez, listen, lis, read. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Jésus lui dit, là où tu es là, Jesus said that currently, tu ne peux plus échapper. You can no longer escape. Tu ne peux plus faire demi-tour. You cannot make U-turn. Tu es sous les aiguillons. You are under the goats. Dis. Read. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc il a dit, il a eu la sagesse. He was wise. De demander l'identité de la personne qui lui parlait. To ask the identity of the person who was speaking to him. Qui es-tu? Who are you? Seigneur. Lord. Il appelait déjà cette personne là Seigneur. He started calling the person Lord. Parce que quelqu'un qui est capable de te frapper dans le sable, bam. Because somebody who is able to strike you down on the ground, bam. Toi qui es fort. You who are strong. Tu te retrouves dans la poussière. You find yourself soudainement. In the dust. Même si tu ne sais pas qui il est, even though you don't know who he is, il faut déjà l'appeler Seigneur. You should already start calling him Lord. Oui, lis. Yes, read. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. D'abord, je suis Jésus que tu persécutes. Read it again. I am Jesus you are persecuting. Why are you persecuting me? Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons.
Continue. Continue. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais, you know, parmi vous, in your midst, parmi les invités, among the invitees, je suis sûr, I am sure, que quelques-uns parmi vous, that some of you, ont insulté les vrais croyants, insulted the genuine believers, ils les ont même maltraités, and they even ill-treated them, sans le savoir, without knowing it. Jésus va te pardonner ça aujourd'hui. Jesus will forgive you this today. Dans ton orgueil, in your pride, tu as méprisé, you despise, les vrais messagers, the genuine messengers, parce que tu soutenais ta religion, because you were supporting your religion. Paul soutenait le judaïsme. Paul was supporting Judaism. Pour lui, for him, il était en train de servir Dieu. He was serving God. Pour lui, for him, il était dans la bonne voie. He was on the right way. Mais sa voie n'était pas bonne. But that way was not good. Dans le plan de Dieu, in the plan of God, c'est Jésus-Christ, it is Jesus Christ, qu'il faut suivre. That you must follow. Si tu veux être sauvé, if you want to be saved, il faut que tu te réconcilies avec Dieu. You must be reconciled with God. À travers le sang de son fils Jésus. Through the blood of his son Jesus. Le sang que Jésus a versé, the blood that Jesus left, te permet de te réconcilier avec Dieu. Allows you to be reconciled with God. Ne meurs pas gratuitement dans la religion. Do not die freely in religion. Certains d'entre vous ont des démons. Some of you have demons qui habitent en eux. That abide in them. Tu vas les chasser comment? How are you going to cast them out? Les maris de nuit. The spirit husbands. Tu vas les chasser comment? How are you going to cast them out? Pour chasser des démons, to cast out demons, il faut invoquer contre eux. You must. Il faut invoquer contre eux. You must call upon against them. Le nom de Jésus de Nazareth. The name of Jesus of Nazareth. Quand tu n'es donc pas l'ami de Jésus, when you are not the friend of Jesus, tu vas périr. You will perish. Pour rien. For nothing. Religieux. Religious. Mais perdu. But lost. Baptisé, confirmé. Baptized and confirmed. Mais perdu. But lost. Allant de veillée en veillée, retraite en retraite. Going from prayer night and retreat to retreat. Camp de prière à camp de prière. From prayer camp to prayer camp. Sans solution. Without solution. Marc Pimpo, reviens dans Jean chapitre 8, verset 24. Let us come into John 8, verse 24. Écoutez. Listen. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus dit, Jesus says, tu vas mourir dans tes péchés. You will die in your sins. Si tu ne crois pas, if you don't believe, que c'est lui qui est le chemin, that, la vérité et la vie, that is the one who is the truth, the way and the life, tu vas périr dans tes problèmes. You will perish in your troubles. Tu vas mourir sous l'oppression des sorciers pour you rien. Will die under the oppression of sorcerers for c'est nothing. Jésus, it is Jesus de Nazareth, of Nazareth, qui est le chemin, who is the way, qui est la vérité, is the truth, qui est la vie. And the life. Paul ne le savait pas. Paul didn't know that. Donc tu sais déjà, puisque tu m'as entendu parler. As you have heard me speaking, you already know. Reviens dans Actes. Come back in Actes. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Maintenant, now, Jésus lui révèle, Jesus reveals him, le but pour lequel il l'appelle. The reason why he called him. Jésus lui Jesus explique explains to him sa mission. His mission. À partir de maintenant, from now on, qu'est-ce que Paul va devenir? What is going to become of Paul? Qu'est-ce que Jésus veut que Paul devienne? What does Jesus want Paul to become? Et c'est ça qui est intéressant. And this is what is interesting pour nous ce for, soir. For us this evening. La mission, the mission que Dieu assigne, que Dieu donne à Paul, that God assigned to Paul, elle te concerne. It concerns you. Elle me concerne. And it concerns me. Dis,
read. Mais lève-toi. Lève-toi. Stand up. Et tiens-toi sur tes pieds. Et tiens-toi sur tes pieds. And stand on your feet. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Il dit, je te suis apparu. He said, I appeared to you. Pour t'établir. To appoint you. Comme ministre. Minister. Et témoin. And the witness. Des choses. Of the things. Que tu as vues. Which you have seen. De cette lumière. Of that light. Que tu as vue. That you saw. Et je vais te montrer d'autres choses. And I will be showing you other things. Et tu vas expliquer ça aux gens. And you will explain it to people. Voilà ta mission. This is your mission. Du coup. On the spot. La vie de Paul a changé. The life of Paul changed. Je te dis la vérité. I tell you the truth. Ta vie va changer ce soir. Your life is going to change this evening. Ce message. That message. Est envoyé par Dieu. Is sent by God. Pour que tu deviennes une autre femme. For you to become another woman. Que tu deviennes un autre homme. For you to become another man. Tu ne peux plus être le même. You cannot be the same anymore. Je te suis apparu. I appeared to you. Afin de t'établir. In order to appoint you. Ministre et témoin. Minister and witness. Des choses que tu as vues. Of the things that you have seen. Et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. And things for which I will appear to you. Continue. Continue. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il dit tu es païen. He said that you are a Gentile. Comme tes amis, comme tes frères. As your friend. Mais je te choisis. But I chose je te prends I take parmi you les païens. Among the Gentiles. Et je t'envoie vers eux. And I send you to je te prends d'abord I first of all take parmi you les païens. From the pagans. Et puis je t'envoie vers les païens. And I send you to where the Gentiles. Oui, je te choisis I chose parmi les païens. Among the Gentiles. Et je t'envoie vers les païens. And I send you to where the Gentiles. Jésus te prend de ta famille. Jesus takes you from your family. Et il va te travailler. And he will work on you. Il va te former. He will train il va you. Te montrer certaines choses. He will show you some of the things. C'est ça qu'on appelle la révélation. Il va t'expliquer les choses cachées. This is what we call revelation. He will explain you hidden things. Sans aller dans une école biblique, without going to a Bible school, tu vas connaître des choses you will know things que le Saint-Esprit va mettre dans ton esprit. That the Holy Spirit will put in your spirit. Les gens diront, mais celui-là, il a fait ça quand? Il a appris ça où? People will say, this guy, where did he learn all these things? Je te prends parmi les païens. I take you from among je t'envoie vers les païens. And I send you toward them. Jésus te prend parmi les païens. Jesus takes you from among et Jésus t'envoie vers les païens. Gentiles and he sends you to pour quoi faire? To do what? Pour quoi faire? What for? Afin que tu leur ouvres les yeux. Va leur ouvrir les yeux. Go and open their dis, eyes. Les païens sont aveugles. Tell them that the Gentiles are blind. Aveugles. Blind. Va leur ouvrir les yeux. Go and open their eyes. J'ouvre tes yeux. I open your eyes. Et je t'envoie. And I send pour you que tu ailles et ouvrir les yeux. For you to go and open their eyes. Il dit cette lumière que tu as vue. He said that light that you saw. J'ai ouvert tes yeux. I open your eyes. Va leur ouvrir les go yeux. And open their eyes. Jésus t'appelle. Jesus is calling you. This evening, il va ouvrir tes yeux. He's going to open your eyes. Il va ouvrir tes yeux. He's going to open your eyes. Il va ouvrir tes yeux. He's going to open your eyes. Vous savez, you know, les gens sont aveugles. People are blind. Ils ne connaissent pas la vérité. They don't know the truth. Nous étions en Man. We were in Man. Un jeune homme dit, a young man said, je ne mangeais pas le python. I don't eat python. On nous a dit que le python est notre ancêtre. They said that the python is our ancestor. Vous voyez, you see, il est aveugle. He is blind. Le python, the python, ancêtre d'un être humain, ancestor of a human being. Il faut voir les gens. And you see people. Nous on adore les eaux. We worship water. Il y a un masque là. Et quand les gens parlent de masque, un masque qui est dangereux. On le, les femmes ne le voient pas. There is a mask which is dangerous. Women do not see. Un petit sorcier met les trucs, les feuilles sur lui-même. A small sorcerer put things upon him. Et il dit, aucune femme ne doit regarder. And he said that no woman should look. Quand il est seul, il rit même. When he is alone, he even laughs. Et puis, and he laughs. Les gens sont dedans. People are in it. Et Dieu est au ciel. And God is in heaven. Il les aime. And he loves them. Et ils ne voient pas. And they don't see. Ils tâtonnent. They grope about.
comme des aveugles. As blind men. Ils cherchaient la solution à leurs problèmes. They seek the solution to the problem. Dieu a dit dans sa parole, God said in his word, invoque-moi call upon me au jour de la détresse, in the day of je trouble, te délivrerai, I will deliver tu you, me glorifieras. And you glorify me. Ils ne savent pas ça. They don't know that. Et ils t'attendent dans la forêt. And they grope about in the forest. Je m'en vais au Banco. I'm going to Banco. Sacrifier les œufs là-bas. To sacrifice eggs there. Et ton père qui t'a créé, and your father who created you, t'appelle. He calls you. Il dit, invoque-moi. He said, call upon me. Je vais te délivrer. I will deliver you. Et tu vas te réjouir. And you will rejoice. Il dit, va ouvrir les yeux. He said, go open the ils eyes. Ne savent pas they don't know que l'adultère est un péché. That adultery is a ils sin. Jouent avec. They joke with la Bible dit que les insensés font le jeu du péché. The Bible says that the foolish men do the game of sin. Ils sont là. They are there. Si tu es même un jeune homme even if you are a young man, qui essaie de se discipliner, who try to discipline yourself, on se moque de toi. They mock you. Que toi, tu n'as pas de copine. You don't have any girlfriend. Aveugle. Blind. Va ouvrir les yeux go open the pour qu'ils comprennent for them to understand que la colère that the anger va les détruire. Will destroy parce them. Que Dieu a dit dans sa parole because God said in his la word, colère de l'homme the anger of man n'accomplit pas les desseins de Dieu. Does not accomplish the purpose tu as un problème avec ton voisin. You have a problem with your et tu neighbor, es en colère tous les jours pour rien. And you are angry all the days for et nothing. Les choses sont toujours les mêmes. And things are always the same. Rien ne change. Nothing changes. Qu'est-ce que ta colère a donné? What did your anger give? Qu'est-ce que ta colère a produit? What did your anger give? Ils ne savent pas they don't know que la jalousie that jealousy est une ruine. Is a ruin. Ils sont ruinés they are ruined de l'intérieur. From the inner. Et ils cherchent les causes and they look for the reasons à leurs problèmes. To the problem. Ils ne savent pas que c'est la jalousie they don't know that it is the jealousy qui a créé la dépression. That created depression. La dépression. Depression. Ils ont peur. People are afraid. They tremble. Ils sont jaloux. They are jealous. Ils travaillent sans repos. They work without rest. Parce qu'ils veulent dépasser tout le monde. Because they want to pass everybody. Va ouvrir les yeux. Go open the eyes. Va ouvrir les yeux. Go open the eyes. Pour qu'ils comprennent. For them to understand. Qu'un homme qui chasse sa femme. That a woman, a man who cast out, I mean, commet un péché. Drive out his wife is committed a sin. Un homme qui quitte sa maison. A man who leaves his house. Pour l'habiter dans une autre maison. To go and live in another house. Avec les prostituées. With prostitutes. Est un fou. Il ne connaît rien. He's a madman. He knows il a besoin de secours. He needs help. Va ouvrir les yeux. Go open the ils eyes. Pensent qu'ils sont forts. They think they are strong. La parole de Dieu dit. The word of God says. Et puis ils se vantent de ce qui les humilie. And they boast about that which humbles them. Quelqu'un peut dire. Somebody can say. J'ai frappé ma femme hier. I beat my wife moi, yesterday. Je ne m'abuse pas. And I mean, I don't joke. Casse sa gueule. I et il est content. Break her jaw and he's au lieu de se cacher, instead of hiding himself, il se montre. He shows off. Il se glorifie. He glorifies himself. Pour rien. For nothing. Quelqu'un des enfants partout. Somebody partout. Has children everywhere. Et il est content. And he's happy. Des enfants ont faim. The children are ils souffrent. Hungry. They et suffer. Il ne fait que se prostituer and he keeps déposer les petits enfants partout. Prostituting and laying children everywhere. À Marcory. In Marcory. Il y avait une maison là-bas. There was a house there. Un monsieur est mort. Il a laissé 32 enfants. A man died and lived behind him. La misère. 32 children. Misery. Chaque femme, each wife, chaque enfant avait sa mère. Each child had his mother. Va ouvrir les yeux. Go open the eyes. Va. Go. Va leur dire. Go tell them que cette vie-là that life n'est pas une bonne vie. Is not a good life. Que c'est le péché. That it is sin. Que ils vont aller à l'enfer. That they will go to hell. Même s'ils vont à l'église dimanche. Even if they go to church on Sunday. Quand on mène cette vie-là. When you live that kind of life. Dieu te rejette. God rejects you. Dieu te rejette. God rejects you. Lis dans Philippiens. Lis dans Ephésiens. Read in Ephesians. Chapitre 4. Chapter 4. Lis le verset 17. Verse 17. 17 et 18. 17 and 18. Ephésiens chapitre 4, verset 17 et 18. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Voici ce que je dis. This is what I say. Et que je déclare. And what, that I declare. Ce que les chrétiens qui se disent chrétiens doivent savoir. Those who tell themselves that they are Christian, what they must know. Continue. Continue.
c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Quand vous allez écouter, mes chers invités, listen, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. My dear invitees, I bless you in the name of Jesus. Je ne sais pas qui t'a prêché l'évangile pour la première fois. I don't know who preached the gospel to you for the first time. Écoutez, listen, la vérité, lis. The truth. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Quand vous allez croire, when you believe, ce soir, this evening, vous ne devez plus marcher comme les païens. You should no longer walk like the unbelievers. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. The unbelievers walk according to the vanity of their thoughts. Ils ont l'intelligence obscurcie. Leur intelligence est dans les ténèbres. Their mind is in the darkness. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la vie de Dieu. They are strangers to the life of God. That is, they don't know the life of God. À cause de l'ignorance qui est en eux. Ils vivent dans l'ignorance. They live in ignorance. Vivent dans l'ignorance. They live in ignorance. Ton salut, your salvation, depends de ta capacité, on your capacity, d'embrasser la vérité. To embrace the truth. Est-ce que tu sais, do you know, qu'il y a une différence, that there's a difference, entre celui qui a cru, between the one who has believed, qui a donné sa vie à Jésus, and who has given his life to et Jesus, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, and the one who has not given his life to Jesus yet. Cette différence est réelle. That difference is real. Quand on n'a pas encore donné la vie à Jésus, when you have not given your life to Jesus on yet, marche dans l'ignorance. You walk in ignorance. On marche dans l'ignorance. You walk in ignorance. Comme un aveugle. As the blind. L'intelligence, your mind, est obscurcie. Is darkened. Ton intelligence, your mind, est enveloppée par les ténèbres. Is wrapped by the dark. Et comme le diable, and as the devil, est le prince de la puissance des ténèbres. Is the prince of the power of darkness. Ton intelligence, your understanding, est entre ses mains. Is within his hands. C'est pour cette raison, that's why, que tu peux te masturber. That you can masturbate yourself. Tu vois une jeune fille jolie, you see a young man, elle se cache, elle se masturbe. A young lady, beautiful, elle se suit, elle a honte. She's ashamed. Elle a honte. She's ashamed. Mais elle refait la même chose. But she go and après, do elle refait thing. La même and chose. After she does the same après, thing. Elle refait la même after chose. She does the same tu thing. Vois quelqu'un you see somebody avec toute l'intelligence que Dieu lui a donnée. With all the intelligence il s'assoit is, he sits down pour regarder un film pornographique. To watch an X-film. Où un homme comme lui couche avec une autre femme. Une in, femme. In which a man like him il paye pour voir. Il paye. Pays to see. L'intelligence est obscurcie. Is darkened. C'est comme l'intelligence d'un animal. It is like the understanding of avec an animal. Ça, with that, tu ne peux pas servir Dieu. You cannot serve God. Même si on te dit prie, even if I tell you pray, tu ne sauras pas prier. You will not know how to pray. Ton intelligence because your understanding est obscurcie. Is darkened. C'est enveloppé de ténèbres. It is, wrapped. Et quand tu es sauvé, it is surrounded by la lumière de Dieu when you are saved, entre dans ta tête. The light of God ça purifie ta conscience. Ça purifie ton intelligence. It cleans, tu deviens un homme normal. Normal man. Et tu marches selon Dieu. And you walk according to God. Tu marches selon Dieu. You walk according la to God. Pensée de Dieu habite en toi. The thought of God abides in you. C'est ce que Jésus veut. This is what Jesus wants. Que tu deviennes ce soir. You become this c'est pour evening. Ça qu'il appelle Paul. That's why he calls Paul. Il dit, je t'envoie vers ces hommes sends you to qui pensent, qui connaissent. And that qui pensent qu'ils connaissent that, who think that they know, alors qu'ils sont dans l'ignorance. Though they are in ignorance. Continue. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Écoutez. Listen. Il n'y a pas seulement l'ignorance. There's not, it's not only ignorance. Mais ils ont appris à refuser la vérité. But they learned to refuse truth. Je supplie le Seigneur. I beg the Lord. Que tu ne commettes pas cette erreur ce soir. That you don't commit that mistake this que evening. Tu refuses Jésus. That you refuse Jesus. Tu endurcis ton cœur. You harden your heart. Tu es dans les ténèbres. You are in the darkness. Quand Dieu envoie quelqu'un te sortir de when là. When God sends somebody to take you out of there. Tu endurcis le cœur. You harden your heart. Continue. Keep reading. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité.
Ils ont vendu leur conscience. They sold their conscience. Ils vivent ce que la Bible appelle la dissolution. They live that which the Bible called dissolution. C'est un dérèglement moral. It is a distortion of their morality. C'est pour cette raison que vous entendez qu'il y a des hommes qui couchent avec les autres hommes. That's why you hear that there are men who lie, who sleep with other men. Un dérèglement total. A total distortion, moral distortion. Commettre toute espèce d'impureté. They commit any kind of uncleanness. Les femmes cherchent les femmes. Women sleeping with women. Toute espèce d'impureté. Any kind of uncleanness. Des viols. Rapes. Toute espèce d'impureté. Every kind of uncleanness. Des avortements. Abortions. Une femme m'a dit. A woman told me. J'ai commis beaucoup d'avortements. I aborted a lot. Je lui ai demandé combien. I thought how many. Elle dit sept. She said seven. Après elle dit non, c'est beaucoup. And after she said no, it's many. Même si tu as commis un seul. Even if it is one, only one. C'est un dérèglement. It is a distortion. Tu as commis le péché. You have committed sin. Et le sang and the blood de ces enfants-là of those children crie. Cry. Et Dieu entend. And God hears. Et la malédiction est sur toi. And the curse is upon you. Qu'est-ce que Paul doit encore faire? Revenons dans les actes. What must Paul do again? Let's come back into the Acts of Apostles. Va ouvrir leurs yeux. Go open the eyes. Et puis, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Qu'il passe des ténèbres. For them to go from darkness à la lumière. To light. De la puissance from du the diable. Power of the devil à Dieu. To God. Ça on appelle la conversion. This is what we call conversion. Tu quittes les ténèbres. You leave darkness. Tu es transféré dans la lumière. And you are transferred in the light. Tu sors de la puissance du diable. You get out of the power of the devil. Tu entres sous la puissance de Dieu. And you enter the power of God. C'est ça qu'on appelle la délivrance. This is what we call deliverance. Quand le diable veut s'approcher, when the devil wants to draw near you, il ne peut plus. He can, tu es sous la puissance de Jésus de Nazareth. You are under the power of Jesus of Nazareth. C'est ce que tu dois faire ce soir. This is what you must do this evening. Dieu dit à Paul, God told Paul, va les chercher. Go, seek them. Détruis les fétiches. Destroy the fetishes. Les coutumes. Customs. Les traditions. Traditions. Va leur dire. Go tell them. De ne rien craindre. That they should not fear them. Quand Jésus était dans le monde. When Jesus was in the quand world. Quand il entre dans un endroit comme when ça. When he entered a place. Que la paix soit avec vous. He said, may peace be with you. Il dit que votre cœur ne se trouble point. He said, let your heart not be troubled. Vous voyez. You see. Il aime les hommes. He loves men. Si c'est l'homme là. If it is a man, il va t'humilier. He will humble you. Tu commets petit faute. Qui t'a dit de faire ça? If you commit a sin, he says, who told you to do this? L'homme veut pas, l'homme veut que son frère devienne petit. Man wants his brother to become small. Et Jésus qui est même le créateur. And Jesus who is even the creator. Il dit que ton cœur ne se trouble pas. He said, let not your heart be troubled. Croyez en Dieu et croyez en moi. Believe in God and believe in me. Je suis avec vous tous les jours. Say, I'm with you always. Jusqu'à la fin du monde. Up to the end of the il world. Il veut te rassurer. He wants to ensure you. Jésus. Jesus. Pour refuser Jésus. To refuse Jesus. Il faut être un démon. You must be a demon. Il faut être un démon. You must be a demon. Lis Jean chapitre 12 verset 32. Read John chapter 12 verse 32. Tu ne dois pas faire ça. You must not do that. Tu dois ouvrir ton cœur à Jésus. You must open your heart to Jesus. Même si ça te coûte tout le coutoukou. Even if it costs you all the local liquor. Tu ne vas plus boire, c'est you, vrai. Je you will no longer tromper. Drink. Je ne peux pas te tromper là que tu auras Jésus et le coutoukou. Non. I cannot le coutoukou disparaît. That you have Jesus Jésus reste. And the local liquor. But the local liquor disappears and Jesus remains. Jesus. Écoutez, listen. Quand j'aurai été élevé, when I am lifted up. Jean chapitre 12 verset 32. Et moi, dit me, Jésus, says Jesus, quand j'aurai été élevé de la terre, quand j'aurai été élevé de la terre, ça veut dire quand on va me crucifier, when I am lifted up from the earth, j'attirerai tous les hommes à moi.
J'attirerai tous les hommes à moi. I will draw all men to me. Il a dit, je suis le chemin. He said, I am the way. La vérité. The truth. Et la vie. And the life. Quand on va m'élever, when I am lifted up, je vais attirer tous les hommes. I will draw all men. Je vais attirer tous les hommes. I will draw all men. Et il t'attire, il t'appelle, attirer, là, il te dit, viens à moi. When we say drawing, it means he's calling you, come to me. Tu dois passer. You must pass. De la puissance de Satan. You must go from the power of Satan à Dieu. To God. Ça doit se faire. This must be done. Pas les deux. Not both. Pas que tu vas ici, on te donne une écorce, puis tu viens, tu achètes une Bible. Tu not as that, l'écorce et la Bible. Not that you go somewhere there, they give you a bark, you buy it, and you, after you come in to buy your Bible, you have the Bible and the bark. No. Certains parmi vous, some among you, ont eu des contacts avec des devins. Had some contact with diviners. Tu seras délivré. You will be delivered. Tu ne savais pas. You didn't know. Un devin est là, il adore le serpent. A diviner is there worshiping the snake. Il te trompe que nous lisons aussi la Bible, hein? C'est la même Bible, et puis il fait le python derrière. It deceives you that we also read the Bible. It's the same Bible, and he's practicing python behind. Dieu a vu. God saw. Il va te délivrer. He will deliver you. Certains savaient que c'est un sorcier. Ils sont partis consciemment. Même toi, tu seras pardonné et délivré. Some were aware that it was a sorcerer, but they went consciously. But even you will be delivered, forgiven, and delivered. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. This is what we call the grace of God. La grâce de Dieu. The grace of God. Comme nous devons prier. As we have to pray. Je résume la conclusion. I will sum up the conclusion. Lis le verset 20. Read verse 20. 19 et 20. 19 and 20. Verset 19 de acte 26. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Non. Revenons, concluons ensemble. Let us conclude together. Acte 26. Saute aucun verset. Va là où il dit, le verset 18. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Ça, j'ai voulu sauter ça. Je ne dois pas commettre cette erreur-là. I was about to jump this one. C'est le but même de ce message. I must not commit that mistake because it's the purpose of this message. Dis ça très bien. Read it well. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Pour qu'ils reçoivent par la foi. For them to receive through faith. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. The forgiveness of sins. Et l'héritage avec les sanctifiés. Et l'héritage avec les sanctifiés. And the inheritance with the holy ones. Oh, Dieu ouvre les yeux. Pourquoi? Why does God open the eyes? Il ouvre les yeux. He opened the eyes. Il te délivre. He delivers you. Il te fait passer de la puissance de Satan à Dieu. He takes you from the power of Satan to God. Il dit le but c'est. And he say, afin que tu aies l'héritage. The purpose avec les sanctifiés. For you to have the inheritance with the holy ones. La vie éternelle. That is everlasting life. Tu auras la vie éternelle. You'll have everlasting life. Avec tous ceux qui sont dans le camp de Dieu. With all those who are les Abraham, on the side les Moïse, of God. Les Pierre, Abraham, les Jean, Peter, les Jean. Paul, John, toi aussi tu fais partie d'eux. Also is part of them. Tu recevras l'héritage. You will receive the inheritance. Avec les sanctifiés. With the sanctified. Donc, ce n'est pas un appel terrestre pour manger le plakali. It's not a heavenly call to come and eat. Si c'est pour manger le tapioca, le plakali, est-ce qu'on a besoin de construire tout ça? If it is to eat tapioca and plakali, do we need to build all these? Il y a des gens qui mangent, ils ne prient même pas, mais ils mangent tous les jours. There are people who do not even pray, but they eat every day. Mais si c'est pour aller au ciel. But if it is to go to heaven. Ah, mes amis. Ah, my friends. Ce n'est pas avec le plakali. It's not with avec la parole de Dieu. It is with the word of God. Dieu veut. God wants. Que tu crois à sa parole. That you believe his word. Et il te parle. And he speaks to you. Il veut que tes yeux s'ouvrent. He says he wants your eyes to be open. Parce que si tes yeux s'ouvrent. Because if your eyes are open. Tu vas coopérer. You will cooperate. Toi-même. You yourself. Tu vas te dire. You tell yourself. Faut que j'ai,
Jésus dans ma vie. I should have Jesus in my life. Relis afin qu'ils aient l'héritage avec les sanctifiés. Read it again. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quand tu donnes ta vie à Jésus, when you give your life to Jesus, même si tu as commis tous les péchés du monde, even though you have committed all the sins of the world, si tu donnes seulement la vie à if Jésus, you just give your life to Jesus, tous tes péchés sont pardonnés. All your sins are forgiven. Il est écrit, it is written, sans effusion du sang, without bloodshed, si le sang ne coule pas, if the blood doesn't shed, le péché ne peut être pardonné. Sins cannot be forgiven. Mais le sang de qui doit-il couler? But whose blood must flow? Le mien. Mine. Il est sale. It is dirty. Je suis un pécheur. I am a sinner. Toi-même. You yourself. Tu es sale. You are dirty. Les animaux. Animals. Les animaux sont faibles. Animals are weak. Ils n'ont pas de conscience. They don't have any conscience. Jésus-Christ s'est donné. Jesus Christ gave himself. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner et de reprendre. He said, I have the power to give and take back. C'est le seul he alone qui pouvait offrir à Dieu un sang qui n'est pas sale. Could offer God a blood which is not dirty. Et il l'a fait à la croix. And he did it on the cross. Si tu viens à lui, if you come to him, tu n'as plus besoin de sacrifier quelque chose. You no longer need to sacrifice something. Avec Jésus, with Jesus, les sacrifices sont finis. Sacrifices are over. Il est la somme de tous les sacrifices. He is the sum of all the sacrifices. Tout ce que Dieu demandait à l'homme, all that God required man, de sacrifier pour son salut, to sacrifice for his salvation, Jésus l'a fait. Jesus has done it. C'est pour cette raison que nous prions librement sans taureau, sans bouc, sans chèvre. That's why we pray freely without ox, without goat. Et ça monte au ciel. And it goes to heaven. Et c'est facile comme ça. And it is easy like that. Lis maintenant 19 et 20. Read now 19 and 20. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Paul dit, Paul says, quand Dieu s'est révélé à moi de cette manière, when God revealed himself in that way, je n'ai pas résisté. I didn't resist. Paul dit, Paul says, quand Dieu s'est révélé à moi, when God revealed himself to me, je n'ai pas résisté. I didn't resist. Il dit, quand Dieu s'est révélé à moi, he said, when God revealed himself to je n'ai pas résisté. I didn't resist. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Lis. Read. À ceux de Damas d'abord. Il dit, j'ai commencé à Damas. He said, I started in Damascus. Puis à Jérusalem. Et j'ai enchaîné avec Jérusalem. And then I went to Jerusalem. Dans toute la Judée. Et dans toute la Judée, dans toute la ville. And in all the cities of Judea. All the surrounding places of Judea. Et chez les païens. Et je suis allé même chez les païens comme il m'avait dit. And I even went to the Gentiles as he taught me. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. J'ai prêché la repentance. He said, I preached repentance. Et la conversion à Dieu. And conversion to God. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. With the practice of works worthy of repentance. Écoutez ça très bien. Listen to this carefully. Beaucoup pensent que ceux qui croient en Dieu. Many think that they believe in God. Beaucoup many pensent qu'ils croient en Dieu. That they believe in God. Comment Paul a-t-il cru? How did Paul believe? Il dit qu'il a commencé par la repentance. He said he started by repentance. Et il dit, and he says, avec l'exigence des fruits dignes de la repentance. And with the requirements of fruits worthy of repentance. Pour prouver que tu as cru. To show that you have believed. Tu confesse le péché que tu commets. You confess the sin that you commit. Et tu l'abandonnes. And you abandon it. C'est ça qu'on appelle la repentance. This is what we call repentance. Si tu confesses, if you confess, sans abandonner, without abandoning, c'est annulé. It is cancelled. C'est une mauvaise repentance. It is a bad repentance. Tu confesses, you confess, tu abandonnes, you abandon, et puis, and then, tu portes les fruits dignes de la repentance. You bear
fruits worthy of repentance. On doit voir. It must be seen. Ta conduite. Your conduct must be seen. Si tu es une prostituée, par exemple. If you are, for example, a prostitute. C'est quand tu vas commencer à dire aux gens non, non, non. On va comprendre que elle porte les fruits. It's when you'll be telling people no, no, no. That we understand that you are bearing the fruit. Certaines femmes parmi vous. Some women in your midst. Si elles donnent la vie à Jésus ce soir. Give their life to Jesus this evening. Mais pour payer leur loyer à la fin du mois, ça sera difficile. Even to pay the house rent at the end of the month, it would be difficult. Parce que les hommes qui payaient, because the people who used to pay, seront chassés ce soir. They will be cast out this evening. De ta vie. From your life. Chassés. Driven out. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Chassés. Cast out. Et quand tu vas souffrir, tu seras joyeuse. And when you will be suffering, you will be joyful. Parce que Jésus est entré. Because Jesus has entered. Tu confesses. You confess. Tu abandonnes. You abandon. Dieu dit oui. God says yes. Nous avons le combat spirituel tout à l'heure. We have the spiritual warfare in a, pour libérer les bénédictions pour in a short while to release the blessings for each one. Je voudrais que ceux qui veulent recevoir Jésus lèvent la main. I want those who want to receive Jesus to raise their hands. Venez ici. Come here. On va commencer par la prière de repentance. Venez ici. We'll start by the prayer of repentance. Come venez here. Rapidement. Come speedily. Venez avec vos effets. Come with your belongings. Venez, venez, venez. Come, come, come. Venez, venez, venez. Come, come, come. Venez, 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 venez. Come, come, come. Acclamation à Jésus-Christ. Clap of him to Jesus. Venez, venez, venez. Come, come, come. Vos yeux sont ouverts. Your eyes are open. Vos yeux sont ouverts. Your eyes are open. Vous passez des ténèbres à la lumière. You go from darkness to light. De la puissance de Satan à Dieu. From the power of Satan to God. Satan est vaincu. Satan is overcome. Satan est vaincu. Satan is overcome. Satan est vaincu. Satan is overcome. Venez rapidement. Come speedily. Viens. Come. Tes yeux sont ouverts. Your eyes are open. Viens. Come. Jésus t'appelle. Jesus is calling you. Jésus de Nazareth t'appelle. Jesus of Nazareth is calling you. Jésus de Nazareth t'appelle. Jesus of Nazareth is calling you. Jésus de Nazareth appelle. Jesus of Nazareth is calling you. Va. Go. Ouvre leurs yeux. Open their eyes. Ouvre leurs yeux. Open their eyes. Afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. For them to go from darkness to light. De la puissance de Satan à Dieu. From the power of Satan to God. Va. Go. Va ouvrir leurs yeux. Go and open their eyes. Viens. Come. Viens. Come. Viens. Come. Viens. Come. Viens. Come. N'endurcis pas ton cœur, viens. Do not harden your heart. Come. N'endurcis pas ton cœur, viens. Do not harden your heart. Come. Paul, Paul n'a pas endurci son cœur. Did not harden his heart. L'apôtre Paul, Apostle Paul n'a pas endurci son cœur. Did not harden his heart. Il dit, j'ai prêché la repentance. He said, I preached repentance. J'ai prêché le pardon des péchés. I preached the forgiveness of sins. J'ai demandé à chacun de porter les fruits
digne de la repentance. I ask each one to bear fruits worthy of repentance. Si tu as cru, if you have believed, tu vas pardonner à tout le monde. You will forgive everybody. Tout le monde. Everybody. Même s'ils ont tort. Even if they are wrong. Donc tu pardonnes. You forgive. Parce que tu appartiens déjà à Jésus. Because you already belong to Jesus. Jésus a dit à la croix. Jesus said on the cross. Père. Father. Pardonne-leur. Forgive them. Ils ne savent pas ce qu'ils font. They don't know what they are doing. Donc si tu vas dire la même chose. You will also say the same thing. Tu n'es plus le même. You are no longer the same. Tu n'es plus la même. You are no longer the same. Tu n'es plus la même. You are no longer the same. You are no longer the same. Là où tu es là. In your current state. Tu te tiens devant Dieu. You are standing before God. Et l'esprit de Dieu. And the spirit of God. Sonde ton esprit. Searches your mind. On va arrêter pour prier. Viens. We are going to stop and pray. Come. Levez les mains. Raise your hands. Si tu veux venir, viens. If you want to come, come. N'écoute pas le diable. Do not give hearing to the devil. Satan. Satan. Va-t'en vite. Because libère. Release. Quitte sur le chemin des âmes. Quit the ways of the soul. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Satan. Satan. Va-t'en. Because Jésus a dit, Jesus said, quand j'aurai été élevé, when I am lifted up, j'attirerai tous les hommes à moi. I will draw all tu ne dois retenir personne. Tu ne dois retenir aucune âme. You must withhold no, tu ne dois retenir aucune âme. You must withhold no soul. Libère. Release. Libère. Release. Libère. Release. Libère. Release. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève tes mains. Raise your hands. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Répétez après moi. You repeat after me. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Me voici devant toi. Here I am before you. J'étais plongé dans les ténèbres. I was dipped in darkness. J'étais plongé dans les ténèbres. I was dipped in darkness. J'avais mon intelligence obscurcie. My understanding was darkened. La lumière a brillé sur moi. And the light shone on me. Ce soir même. Even this evening. Et je te dis oui. And I say yes to you. Je te dis oui, oui, I say oui. Yes to you. I say yes to you. Pardonne mes péchés. Forgive all my sins. Pardonne mes rébellions. Forgive my rebellions. Pardonne mes persécutions. Forgive my persecutions. Je me suis moqué de tes enfants. I mocked your children. Je croyais que j'étais dans la vérité. I thought I was in the truth. Pardonne-moi. Forgive me. Pardonne-moi. Forgive me. Pardonne-moi. Forgive me. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Sanctifie-moi par ton sang précieux. Sanctify me by your precious sanctifie-moi blood. Sanctifie-moi. Sanctify par ton me sang. By your blood. Sanctifie-moi. Sanctify par ton me sang. By your blood. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Dis Seigneur. Say Lord. Me voici. Here I am. Pose les mains sur la tête. Lay your hands upon your head. Dis je viens fatigué. Say I'm coming tired. Malade. Sick. Bloqué. Blocked. Des fardeaux. With burdens. Des maladies. The sicknesses. Pardonne-moi. Forgive me. Et guéris-moi. Heal me. Dis Seigneur guéris-moi. Say Lord heal me. Seigneur guéris-moi. Oh Lord heal me. Oh guéris-moi. Oh heal me. Guéris-moi, guéris-moi, oh, guéris-moi. Heal me. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Heal me, bless me. Guéris-moi, guéris-moi. Heal me. Donne-moi le repos, donne-moi give le repos. Give me rest. Give me rest. Donne-moi le repos, donne-moi le repos. Give me rest. Oh Jésus. Oh Jesus. Oh Jésus. Oh Jesus. Prends-moi. Take me. Prends-moi. Take me. Prends-moi. Take me. Je t'en supplie. I beg you. Je t'en supplie. I beg you. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare de la sorcellerie to be separated from witchcraft qui règne dans la famille. That reigns in the j'accepte. Family. I accept. Qu'on me sépare
to be separated de toutes les malédictions de la famille. J'accepte qu'on me sépare de toutes les idolâtries. Je veux t'adorer maintenant. I will worship you toi now. Et toi seul. You and you alone. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Il y a les chaises derrière vous, asseyez-vous. There are hands chairs behind you. Soyez prêts pour la prière. Tout ce qu'on va demander à Dieu, demandez aussi. All that we ask God, you also ask. Retournez-vous, vous y allez chercher. Turn back and sit down. C'est vous. Juste derrière vous, il y a des chaises. Just behind you, there are chairs. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. With shout of joy. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Prenez bien vos places. Get on your seat. Prenez les places sous les bâches. Find your seats under the canopies. Dieu aime l'ordre. God loves order. Assurez-vous que les gens sont assis en ordre. Make sure that people are sitting in order. Plutôt de l'autre côté là-bas. Mainly at the other side. Est-ce qu'il y a un rétrograde qui doit revenir à Christ? Is there a backslider who has to come to back to Christ? S'il te plaît, lève-toi, tu viens. Please stand up and come. Si tu es un frère, if you are a brother, qui a connu des difficultés dans la marche, who went through hardships in the walk, qui a rétrogradé, and has backslid, reviens. Come back. Reviens. Come back. Vous savez, you know, qui autre? Est-ce qu'il y a un rétrograde qui veut revenir? Is there a backslider who would like to come back? Viens. Come. Where is he? Where is he? Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Tu as vaincu le diable. You have overcome the devil. Tu as vaincu le diable. You have overcome the devil. Tu as vaincu le diable. You have overcome the devil. Assieds-toi, tu es chez toi.
Si tu es venu prier seulement, if you came only to pray, ce n'est pas mauvais. It's not bad. Mais but si volontairement, if deliberately, tu as refusé Jésus, you have refused Jesus, tu as déjà perdu. You have already lost. Ça c'est un avertissement. This is a warning. S'il y a parmi vous, if in your midst, quelqu'un qui vit dans le péché, there's somebody who lives in sin, qui devait donner la vie à Jésus, who was to give his life to Jesus, et qui a endurci le cœur, but has hardened his heart, mais qui attend la prière, but is waiting for the prayer, je te dis la vérité, I tell you the truth, tu as déjà perdu. You have already lost. Lis Osée 13, verset 9. Read Osée 13, verse 9. Osée 13, le verset 9. Lis à haute voix. Read it loudly. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. La parole de Dieu déclare. The word of God reveals que la chose qui va te faire périr, that the things which will make you perish, la chose qui va te ruiner, the things that will destroy you, ce n'est pas le problème que tu as là, it's not the trouble you are going through, ce n'est pas la maladie, it's not a disease, c'est que is that tu as refusé Jésus, you have refused Jesus. Tu as refusé celui qui peut te secourir. You have refused the one that can rescue you. Parce que quand les gens veulent vivre dans le péché, because when people want to live in sin, ils ne veulent pas recevoir Jésus. They don't want to receive Jesus. Lis. Read. Israël, ce qui cause ta ruine. Israel, you are destroyed. Ce qui cause ta ruine. Écoute ça très bien. Listen carefully. Israël. Israël. Israel. C'est que tu as été contre moi. Ce qui cause ta ruine, you are destroyed, c'est que tu as été contre moi. Because you are against me. Ce n'est pas parce que tu es malade. It's not because you are sick. C'est que tu es contre celui qui guérit. But because you are against the one that heals. Tu veux vivre sans lui. To live without him. Mais tu veux aussi obtenir la bénédiction. But you also want to obtain blessing. Il dit non. He says no. Tu ne seras pas béni. You will not be blessed. C'est ça qui cause ta ruine. This is why you are destroyed. Dieu, God, a envoyé son fils, sent his son, pour que son fils meure à la croix, for his son to die on the cross, et que tous les hommes lui appartiennent, and that all men belong to him. Nous avons lu ça ensemble. We read it together. Quand j'aurai été élevé, when I am lifted up, j'attirerai tous les hommes. I will draw all men. De telle sorte que quand tu lui dis non, so that when you say no, tu as perdu. You have lost. Guérir. Being healed. Ce n'est pas un problème. It's not a problem. Vous avez écouté les témoignages. You listen to the testimony. Il y a même des gens dont les esprits des morts avaient volé les bénédictions. There are even people whom the spirit of death stole their blessings. Et ça a été récupéré. But it has been recovered. Par qui? Par Jésus. By whom? By Jesus. Je veux que les dernières personnes, avant de commencer la prière, qui veut changer de camp? Who wants to change side? Qui? Who? Après ces explications, qui veut changer de camp? After this explanation, who would like to change side? Si c'est toi, lève-toi, tu viens. If you are the one, stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Ne perds pas la bénédiction pour rien. Do not lose your blessing for nothing. Acclamons très fort. Let us clap loudly.